Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs. Alors, premier sujet, je vais vous parler, ça va être très rigolo, je vais vous parler du mode sans échec, ou ce qu'on appelle aussi le mode sans extension de macOS. Alors, puisque l'idée c'est de faire un rubrique sur Dr Mac, Docteur ça veut dire qu'on soigne les Mac, l'idée c'est de vous expliquer un peu à quoi ça sert ce mode de démarrage du Mac qui est un peu particulier, et qu'on connaît d'ailleurs dans Windows, hein, si vous avez déjà travaillé sur Windows, vous avez aussi un mode qui est appelé mode sans échec, et en fait c'est un mode où votre Mac va fonctionner de façon un peu en mode, on va dire, dégradé, pour pouvoir quand même essayer de démarrer correctement. Alors là, ça tombe bien parce que j'ai un cas très concret à vous donner, qui est tombé pas plus tard qu'hier. J'ai un de mes clients, qui est un client important, qui a une trentaine, quarantaine de Mac. Et hier, il y en a plein qui se sont mis à ne plus démarrer. C'est-à-dire qu'en fait, on démarre la machine, et au moment d'ouvrir sa session, donc on tape son nom, son mot de passe, c'est bon, ça s'ouvre. Et là, ça mouline, il ne se passe plus rien. Et là, vous faites « Ah !» C'est embêtant, ah oui. C'est embêtant. Alors, vous pouvez tenter différents modes de démarrage, mais le mode sans échec, donc ce mode sans extension, donc il est, comme vous pouvez voir ici, il y a l'adresse qui est indiquée juste là, voilà, à l'écran. Donc, si vous cherchez mode sans échec Mac sur n'importe quel moteur de recherche, vous allez trouver très facilement cet article. Et qu'est-ce qu'il explique ? Donc, il explique un petit peu à quoi sert ce mode sans échec. Donc, il va faire différentes opérations. Il va vous permettre de vérifier votre disque de démarrage et tenter de résoudre des problèmes donc liés au répertoire. Alors, répertoire, c'est mal traduit, en fait. C'est directory, c'est le catalogue de votre disque dur, en fait. L'article n'est pas très, très précis. Il était mal traduit, on va dire. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va en fait désactiver certaines fonctions. Alors, ce qu'il va désactiver, c'est justement, on parlait des extensions de noyau. Il va désactiver des extensions de noyau tierce partie. Donc, tout ce qui pourrait être installé par d'autres logiciels, il va les désactiver. Tout ce qui se lance au démarrage de votre session utilisateur, là aussi, ça va être désactivé automatiquement. Si vous avez installé d'autres polices de caractère que celle d'origine, il va les désactiver. Pourquoi ? Alors, ça, c'est toujours une grande question. Les gens disent, mais pourquoi ils désactivent les polices ? Les polices, c'est des fichiers. Les polices, en fait, ça fonctionne comme des applications. Ce sont des applications. Il y a une licence utilisateur qui est associée et ça modifie le comportement de votre système. Donc, une police endommagée peut empêcher le démarrage d'une session, peut empêcher le démarrage d'un logiciel, par exemple. Et puis, il va supprimer des éléments mis en cache. Donc, votre Mac, pour être optimisé, pour fonctionner plus vite au démarrage, pour être plus efficace, il y a des données qui sont régulièrement utilisées par les logiciels qui vont être mises en cache, par le système d'ailleurs, donc elles sont mises en cache sur le disque dur, et elles vont être accédées, donc quand le système en a besoin, il sait qu'elles sont là, il va les chercher directement, il va pas les chercher partout sur le disque. Et le système, en plus, va les mettre sur les endroits où les disques sont le plus rapides. Alors sur les SSD, ça compte plus trop aujourd'hui, mais sur les vieux disques durs, ça a un impact sur les performances. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en démarrant sans échec, on va arriver sur un mode dégradé l'utilisation du Mac, mais qui va vous permettre en fait de au moins analyser ce qui se passe. D'accord ? Ouais, Marc, comment on démarre sans échec, Guillaume ? Alors, comment on démarre sans échec ? Eh bien, ça, c'est l'image suivante que tu vas lancer maintenant. Tadam ! Regardez, touche Shift. Vous avez deux touches Shift sur votre clavier, vous allez appuyer, donc vous allez redémarrer votre Mac, voire l'éteindre complètement. Vous démarrez, dès que vous entendez le bruit de démarrage, maintenant il n'y a plus de bruit de démarrage sur les Macs, c'est ça qui est dommage. En tout cas, dès que vous démarrez, vous appuyez sur la touche Shift, l'une ou l'autre, sur le clavier, vous laissez enfoncer jusqu'à ce que la pomme apparaisse. Quand la pomme apparaît, vous relâchez. Oui, le jeune homme au fond de la salle. Est-ce que ça marche aussi en Bluetooth, avec le clavier Bluetooth ? Alors, ça marche avec le clavier Bluetooth également, tout à fait. Bien, en fait, bonne question, déjà, François. Dès le démarrage du Mac, normalement, il est lié, effectivement, il peut fonctionner en mode sans extension, comme ça. Alors, par contre, si vous avez mis un mot de passe de firmware sur votre Mac, c'est-à-dire si on a une possibilité comme ça de verrouiller une partie des composants de matériel de la machine pour empêcher de démarrer sur un autre disque ou autre, c'est un système de sécurité qu'on abordera peut-être dans une autre émission, ça ne marchera pas. Là, cette fonction-là sera désactivée. Donc, vous ne pourrez pas l'exploiter, donc il faudra désactiver d'abord cette fonction au préalable. Donc, une fois que vous avez démarré sans échec, qu'est-ce qui se passe ? Donc, votre Mac démarre, et puis, là, image suivante. Tadam ! En haut de l'écran, alors vous ne voyez peut-être pas très bien, je ne sais pas si on le voit vraiment. Mais bon, non, on voit pas ce qu'il y a au bout de la flèche, en fait. C'est dommage, mais il est marqué en rouge, en tout cas, démarrage sans extension. Alors d'ailleurs, si votre Mac d'habitude... Ah oui, c'est dommage, c'est juste ce qu'on ne voit pas, en fait. Oui, c'est juste ce qu'on ne voit pas, c'est bête. Très bonne la capture. Ah, écoute, j'ai cadré pile poil. C'est parfait. Bon, en tout cas, voilà, à cet endroit-là de l'écran, vous allez voir marqué démarrage sans extension. Ouais. Alors, le truc, c'est qui est marrant, c'est que c'est démarrage sans extension ou sans échec, sans délicat. Safe mode aussi en anglais, on appelle ça. Ouais. Et donc, ça veut dire que votre Mac va démarrer en mode dégradé. Alors, faut pas s'inquiéter, à ce moment-là, donc d'ailleurs, si vous avez l'habitude d'ailleurs d'ouvrir votre session automatiquement au démarrage, de pas taper de mot de passe, ce qui est pas bien, faut pas le faire, sauf cas exceptionnel, là, vous serez obligé de taper votre mot de passe quoi qu'il arrive.
Là, il n'y a pas le choix. Et donc, il y a plein d'éléments qu'on a signalés qui seront désactivés. Et votre Mac va fonctionner en mode dégradé. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez peut-être du Wi-Fi sur les Macs qui ne marchera plus. Sur le modèle de Mac, peut-être que votre Wi-Fi sera désactivé. Vous allez voir que le Mac va fonctionner au niveau graphique. Il va être très ralenti. Vous allez avoir des problèmes de rafraîchissement, etc. Mais ça va vous permettre d'ouvrir la session, normalement, si tout va bien. Ouais. Alors, et au moins, après, vous pouvez analyser, essayer de comprendre pourquoi ça coince. Ça peut être une possibilité. Donc, c'est un mode de diagnostic. Hein. Ce n'est pas non plus un truc qu'on fait tous les jours, de toute façon. Et puis, si on regarde la dernière capture que j'avais mis, voilà. Ce qui se passe, en fait, pour expliquer un petit peu ce qui va se passer, c'est que votre Mac, il va empêcher le lancement de certains éléments au démarrage, et en particulier ce qui se trouve dans les deux dossiers que j'ai mis en rouge, là, donc qui s'appellent Launch Agents et Launch Daemons. Donc, ils se trouvent dans le dossier bibliothèque qui est à la racine de votre Mac, et également dans le dossier bibliothèque qui est dans votre dossier d'utilisateur à vous. On trouve un dossier Launch Agents. Launch Daemons, ce sont les éléments qui se lancent tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, même si vous n'avez pas de session ouverte sur votre Mac, ils vont être lancés. D'accord ? Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un utilisateur actif sur la machine pour qu'ils se lancent. Launch Agents, ce sont des éléments qui se lancent lorsque l'utilisateur va ouvrir sa session uniquement. Et en fait, ce sont des petits fichiers qui vont lancer des logiciels, des tâches, en fait, sur votre Mac à l'ouverture de session, donc, ou au démarrage de la machine. Et ce que vous pouvez faire, simplement, c'est désactiver ces éléments en les prenant, en les sortant du dossier et voir ce qui se passe. Vous les supprimez. Et du coup, ça vous permet éventuellement de faire redémarrer votre machine. Et hier, on s'est rendu compte, donc, après analyse, on s'est rendu compte que le problème qu'on avait sur ces Macs et qui, donc, bloquait les Macs au démarrage, eh ben, ça venait d'un logiciel tierce partie. Et je vous le donne en mine. C'était un antivirus qui bloquait les machines d'un seul coup. Parce qu'il y a une mise à jour viral qui est mis à jour d'antivirus qui a posé problème. Voilà, le logiciel s'est mis à jour tout seul et en fait il bloquait au démarrage l'ouverture de session les utilisateurs. Donc le truc qu'on a fait, le technicien sur place que je salue, il a dû enlever les éléments de démarrage sur chaque machine et puis enlever les éléments qui activaient l'antivirus et pour que les utilisateurs puissent enfin travailler. Et ben, c'est un cas très concret. Voilà, c'est un cas très concret du démarrage du mode sans extension. Si vous avez un jour un problème sur votre Mac qui ne veut pas fonctionner, qu'il y a un logiciel qui plante sans raison, etc., eh ben, pensez donc à utiliser ce mode sans échec. Ça vous permet d'analyser un petit peu plus le comportement de votre Mac en profondeur. Eh ben, génial, Guillaume. Merci. Merci pour ce premier Dr Mac. Je trouvais ça génial. Ben ouais, t'as vu. Hein, allez, à chaque passage dans la week, un petit, on va essayer. Une petite séquence de conseils techniques comme ça. Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs.